précédent, Michel a fait connaissance avec des élèves de la classe. On a appris que Michel habitait avant en Corse, qu'il a une demi-sœur qui s'appelle Sarapelle et un chien qui s'appelle Echo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre programme. Nous allons parler de François Ier. Madame, le père de François Ier, c'est François Zéro alors. Ah non, pas du tout. C'est quelqu'un de ma famille, puisque moi, c'est François le Premier. Non, François, je ne pense pas. Lui, François Ier, c'est comme deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Toi, le Premier, c'est ton nom de famille, d'accord? Ok. Madame, le fils de François Ier, c'est François Hollande alors. Ah mais non, rien à voir. François Ier a été roi au XVIe siècle. Et François Hollande, c'est le président actuel. Réfléchissez quand même. Oh là là, je comprends rien moi. Il y a que des François. François par-ci ou François par-là. Bon allez. François Ier et la Renaissance. Ouh. François Ier débute son règne en 1515 et se bat pour agrandir son royaume en Italie. Il remporte notamment la bataille de Marignan en 1515. On dit 1515 ou 1515, pas 1515. Le roi découvre les œuvres de la Renaissance et des grands artistes comme par exemple Raphaël Nadal. Mais non, l'artiste, le peintre, pas le joueur de tennis. Il y a Léonard de Vinci aussi. Oh, il est moche! Qui est de la même époque que Raphaël. Le chanteur? Mais non, l'artiste, le peintre. Il réalise pour lui de nombreuses œuvres, à l'exemple d'un très beau château. Quelqu'un sait lequel? Madame, je sais, j'y suis allée, c'est le château de Chamfort. Presque, mais non, c'est le château de Chambord, Jean. Ah, ok. Wow! Trop beau! Oh, dis, un cahier, c'est un cahier, hein. Et où étais-tu arrivé? Bah, à la gare du Lille. Mais non, dans le programme d'histoire, dans ton ancienne école. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Commence un nouveau cahier. Belle écriture, François. Félicitations. Oui, madame. Mais je ne t'ai pas appelée. Pourquoi tu te lèves, Félicie? Si, vous avez dit félicitations. Mais non, je disais le mot félicitations comme bravo. Je comprends plus rien, moi. Mais si, elle s'appelle Félicitations. Félicie, c'est son prénom. Et Tation, c'est son nom de famille. Ah, comme ma demi-sœur, ça rappelle. Voilà, c'est ça. Allez, faites votre cartable, n'oubliez rien. D'accord.
I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers.